Hello tout le monde, bienvenue sur Anti Podcast. J'espère que vous allez bien. Salut William. Salut François. Comment ça va Ça va et, et toi, toi Ça va bien. Salut Manu. Salut. Putain, ça fait plaisir. Ouais, ça enfin. Fait on est trop désolé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé pour une vidéo YouTube, ouais. pour un podcast. Mmh. Mais nous, revoilà. Dans un décor qui est presque euh, identique, mais qui change un petit peu parce qu'en fait, on n'est plus du tout dans nos locaux d'avant. On a changé, mais ça, il y a une vidéo qui arrive. Il y a une vidéo qui arrive. Il y a une vidéo. Donc abonnez-vous sur, sur euh, YouTube pour rien euh, louper. Mais ouais. il y aura une vidéo YouTube pour présenter ce qu'il a une... autour, en fait. ce y a autour, voilà, ouais. Les, le background, en fait. Mais euh, voilà, dites-nous un peu si ça vous plaît euh, ce nouveau euh, ce nouveau contexte un peu plus euh, épuré peut-être. Oui. Et puis autour, on a vraiment beaucoup plus de place maintenant. Hein. Voilà. C'est moins. Euh, <laughs> C'est moins coincé. <laughs> C'est moins, moins coincé quand même. Aujourd'hui, Donc... on a le plaisir d'avoir Manu. Euh, notre notre euh... cher Manu, que vous avez pu peut-être apercevoir dans euh, les vlogs. Euh, Manu, c'est d'ailleurs lui en général qui fait les montages de vlogs. Bah, qui fait tous les montages de la chaîne, de tout ce que vous voyez, c'est lui qui ouais, les fait' Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, de podcasts, enfin ouais. de tous les podcasts, de tout ça, c'est lui qui fait. Ouais. Donc euh, on se disait que ça pouvait être vraiment euh, cool de l'avoir et de le présenter parce que aussi c'est un peu notre mascotte. Comme c'est le, le minot d'équipe. <laughs> du, euh, du coup, voilà. Avant que tu te présentes, Manu, on va peut-être euh, passer au whisky time parce que voilà, on change pas une équipe qui gagne. Donc aujourd'hui, on va déguster, je crois, comme dans le premier, tout premier épisode. Mais je crois que c'est ça. Hein. Euh, le whisky breton. Le whisky breton qui s'appelle Glenarmore. Voilà. Et ça, c'était, je crois, dans le premier. Donc c'est une retour. En fait, c'est un retour aux ah, sources. C'est surtout un... ça. Je te mets un bon petit verre, hein, Françoise. Ouais. ouais, ça va. C'est parfait. <laughs> Magnifique. Bon, Manu, le problème, c'est qu'il n'a pas 18 ans, donc voilà. en fait, on ne peut pas lui servir. C'est le premier invité, en fait, qui ne va pas déguster du whisky parce ouais. que, bon, je euh, pas. En plus, je n'ai même pas d'eau. Oui. Si, non. si. Qu'est-ce qui. Regarde ce qu'on t'a apporté. J'ai préf... prévu, euh... prévu un petit verre pour Manu. Ah, pour tu peux décrire on juste boire. le gobelet qu'on lui a Alors, apporté ouais, pour <laughs> ceux qui ne <laughs> voient pas le post pour, mais ceux... pour ceux qui ne peuvent pas voir, c'est Happy Winter. C'est un... Un, petit... un mug. Ouais. Un mug avec un ours ah, polaire et un petit rose. pingouin euh, enlacé contre lui. Avec un, un petit couvercle. Ouais. Voilà, Donc, Manu peut boire là-dedans. Ça fait 5 de... minutes, on me fout déjà la honte Comment on ça Ah, on le comme ça, ok. Ouais. Voilà. Tu okay. dois boire et tu dois nous dire... Santé ce que du coup, hein Bah santé du coup. <laughs> c'est quelque chose que tu Attends. peux boire et qui va pas te dégoûter normalement. Alors Mais moi je sais pas ce qu'il a mis. Sirop de grenadine Ah ouais, c'est presque ça, c'est du sirop de... Ah, oh, purée maintenant je sais même plus. Super merci. Un des okay. sirops qui traînent depuis genre 3 ans à l'atelier, là, tu goûter. sais. Ça, c'est Covid-friendly. <laughs> <laughs> Magnifique. <rire> Oh. T'aimes pas C'est un peu acide. Moi, hein. ça, c'est bon. Je sais pas. C'est quoi Grésiné ou un... Ouais, un truc... Pas grésiné. Grésiné. Euh... Non, résiné. <laughs> c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, voilà. Manu... Ouais, on, est... on reste légal, hein. Toujours. Oui. <laughs> Est-ce que tu peux te présenter Emmanuel Denis, voilà. Euh, je vis à Corsier. C'était euh... où C'est juste au-dessus de Vevey, si jamais. Mm -hmm. Et euh... bah, ça fait... Cinq mois que je travaille chez William Gamuto maintenant. Boum. Ah ouais Ouais, en tout cas, c'était. 1er <laughs> <Premier rire> juin, ouais. 1er juin, ouais, c'est ça mm -hmm. Et, euh... Et puis voilà. Trop bien. Moi, prépa... en fait, j'ai préparé une petite liste de questions pour notre Manu. Ah, attends, j'ai l'impression <laughs> maintenant. J'ai l'impression. Quelle est ta couleur préférée, Manu Le jaune. Ouais. C'est vrai Je te jure que c'est vrai. Oh, c'est étonnant, c'est rare ça. Hein. Toi, ouais. c'est quoi ta couleur préférée Moi, c'est le noir. Ah ouais. mais c'est pas une couleur c'est l'absence de couleur, <laughs> couleur. Ouais, j'aime bien le noir l'obscurité ouais ou le tu sais le vert foncé enfin bref ouais. on s'en fout vas-y euh, moi c'est le bleu comme euh, <laughs> en général on peut le voir ouais c'est ouais. pas mais du ça tout très original d'ailleurs en fait. c'est le retour de ton papillon parce que oui. dans les autres on n'avait pas le oui. tu avais tu t'es laissé un peu tu t'es T'étais tu mais ouais. maintenant c'est le retour des vrais des bah je suis toujours flemmard mais je m'oblige à en fait c'est bien mais vous voyez pas ce qu'il a en fait en dessous de ça <laughs> c'est ouais, mieux oui, oui, vous voyez pas juste savoir. là mais ça se <laughs> trouve, on est en caleçon <laughs> il, y a, il y a de plus grande chance qu'on soit en caleçon qu'on ait un bas de costard oui. il y a de plus grande chance oui, il y a de plus grandes chances mais okay. on est peut-être avec un bas de costard <laughs> Manu pour toi les questions attention okay. est-ce que tu es prêt oui j'avais des, des questions en fait sur euh, sur ton avant ce que tu étais avant de rentrer dans l'entreprise en fait mm -hmm. l'idée c'était un petit peu de comprendre parce que François et moi, on est sortis du, du circuit scolaire depuis un moment déjà. Et puis, euh, je ne pense pas que les, les temps aient totalement changé et puis que ce soit totalement différent de notre époque. Mais des fois, on oublie un peu ce qu'on vivait à cette période-là mm -hmm. en sortant de l'école. Euh, comment ça s'est passé pour toi, en fait, euh, avant le stage, en fait, euh, de ce que tu avais comme possibilité dans ta vie Donc tu dis ma dernière année d'école, de, ouais, entre guillemets ouais. Euh... Bah déjà, c'est quoi le... quand tu es sorti de l'école obligatoire Qu'est-ce que tu as fait Pour qu'on euh... qu se mette un ah, peu dans bon. le contexte, okay. tu vois. Alors, quand je suis sorti de l'école ob obligatoire en 2018, ouais, euh, je suis parti euh, faire euh, le raccordement de Clarence, du coup. Mm -hmm. euh, RAC 1. Euh, pendant une... enfin, en fait, c'était pour monter en, en niveau 2 partout ouais les pour ouais. passer au gymnase ça, déjà, hein, ça r... moi, moi j'ai déjà ça. rien compris là tu vois ouais, ouais. en fait c'est pour faire une passerelle pour passer au gymnase <laughs> ouais, ça. Pour, pour résumer hein. puis pour les, les, les gens qui sont pas suisses mais le gymnase en gros c'est le lycée c'est ça ouais, ouais, exactement ça, voilà. ouais. et puis euh, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire encore et que, et que ouais. je voulais pas me prendre trop la tête et enfin juste okay. avoir un peu le temps ouais. de bien enfin enfin juste de prendre un peu mon temps quoi mmh. ouais. Et puis là bah, bah c'était pas une folle année pour moi <laughs> <laughs> j'étais pas top enfin je me sentais ouais. pas pas très à l'aise là bas ouais. même si j'avais des enfin des enfin de bons amis quand même là bas ouais. j'avais juste pas envie, enfin j'avais juste envie, enfin j'avais envie de sortir euh, de, enfin, de ce monde là du ouais. monde scolaire, en Exactement. fait. Ouais. Ouais, Exactement. Je... Okay, de, de rentrer dans du concret. Exactement, oui. Et puis, tu avais fait des stages Tu avais déjà travaillé euh... dans quelque chose ou... bah, Alors, j'avais un petit job euh, d'étudiant. Euh... Ça, c'est important. <laughs> Ça, c'est une chose importante. Vrai euh, euh, je devais nettoyer <laughs> une cantine tous les soirs. Celle qui est juste à côté de chez moi. <laughs> avec maman. Euh, avec Dis bonjour maman. à maman. Salut, avec maman. Allo, maman. <laughs> Jacqueline. <laughs> <t 'es> <laughs> gros bisous. <laughs> Et euh... Et euh, du coup, je, je faisais tous les soirs euh, à peu près une heure par soir ouais, et ça pour te faire de l'argent. Ça me ramenait ouais, un petit ouais, peu d'argent. Ouais, ouais. D'accord. Mais tu avais imaginé euh, venir bosser, euh, chercher un travail euh, dans la photo, dans la vidéo, dans non, le, le euh, milieu artistique en général bah dans, Tout ce qui est dans l'art et tout, c'est un truc qui m'a toujours plu. Mm -hmm. Mais j'aurais jamais pensé. Si au début de l'année, on m'avait dit que je finirais ici dans un an. J'aurais ouais. jamais cru ça. Ouais. Mais, en fait, que ouais. mais en fait personne n'était Mais en fait, il faut juste remettre dans le contexte donc Manu en fait et moi on se connaît depuis euh, qu'on est enfin qu'il est né, je l'ai vu et tout, on a 7 ans de différence mais ça on a un peu une relation euh, pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on est un peu euh, comme des cousins, même des frères. Mm -hmm. Et c'est vrai que Manu, j'ai toujours emporté un peu avec moi pour les shootings et tout parce que j'avais besoin d'un modèle et puis euh, bon, il a une mâchoire carrée donc oh. ça passe <laughs> carré dans l'axe. <laughs> il pose bien et tout. Non mais du coup, j'ai toujours un peu pris et tout. Mais c'est vrai que tu t'es jamais dit quand on faisait les photos comme ça, tu t'es ja m'as jamais dit genre ah je serais chaud à faire ça. Tu m'as jamais dit ça. Ouais, Mais après c'est genre ben du coup euh, ce printemps là, là pendant le ouais. confinement en fait, ouais. où as commencé, on a commencé à discuter un peu plus de ça et mm -hmm. tout, tu étais un peu plus sensible. Et c'est de là en fait qu'il a fait ce stage chez nous en fait cette mm -hmm. semaine euh, mm -hmm. qui changera pour à jamais notre vie. Ouais oui. c'est vrai c'est vrai. Ah, c'est Et puis c'est bah en fait c'est vrai que toi et Elsa vous me parliez de Manu mais ouais. que je connaissais hein, depuis enfin que j'avais pas revu depuis je pense 10 ans je <laughs> vais être comme ça ouais, ouais je m'attendais à voir un mec de 1 mètre 15 qui rentre à l'atelier bon ouais, c'est pas beaucoup c'est pas que que beaucoup. Ça, hein. non, super, merci, voilà. ils font que de me tailler tout le temps de toute façon donc, euh... ah, oui. Non, mais c'était cool parce qu'en fait, moi, j'étais pas du tout dans l'idée de prendre un stagiaire long terme, encore mm -hmm. moins un apprenti. Et puis, ben voilà, le, le, concrètement, l'idée c'est que Manu, toi, tu fasses un stage d'une année parce qu'on savait pas encore dans ouais. quel apprentissage tu mm -hmm. pourrais commencer, mais que l'été qui vient, ben, tu démarres un apprentissage en fait. Ouais. Donc euh, ça, c'était pas du tout euh, au programme. Euh, ben voilà, et puis euh, moi, j'avais un peu un comment dire une expérience des stagiaires que j'avais pu avoir <laughs> dans d'autres boulots ou comme ça, ou en fait... Euh, un peu complexe. Ben voilà, je savais que ça prenait beaucoup de temps et ouais. puis en fait c'était une grosse énergie à mettre mmh. pour un, un retour qui est pas hyper, hyper euh, dingue. Ouais. Surtout quand tu es seul. Ouais, sûr. Mais, euh, mais Manu a fait la différence hein, hein, oui. en son temps assez rapidement. ouais, euh... ouais c'est clair, hein, Tu as, as vite su euh, t'adapter. Euh, soit au niveau, bah, alors nous on se connaissait déjà et tout, mmh, mais c'est ouais, vrai qu'on se connaissait dans étonnant. le milieu pas du tout professionnel parce qu'en fait on oui. fait pas que des podcasts où on fait les cons tout le temps, <laughs> on fait aussi du vrai travail. Ouais, des fois on travaille, <laughs> ouais. voilà, des fois on travaille. Ouais. Et puis euh, c'est vrai que bah, moi je le connaissais pas, je te connaissais pas euh, sous, sous cet aspect là, donc c'est vrai qu'on a dû aussi apprendre à se connaître à ce niveau là et on est toujours mmh. en train d'apprendre à se connaître mmh. aussi, hein, même nous, mmh. mais, euh, mais du coup c'était. J'ai trouvé que tu as eu ce, ce shift très rapidement, on se le disait ouais. hein, ensemble. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que tu apprends vite, et bon, aussi parce que tu es plus jeune, et que souvent quand tu es plus jeune, ouais. tu apprends vite, et aussi mm -hmm. parce que tu as aussi ce. J'ai l'impression que c'est déclic, tu me dis si je me trompe, mais tu as eu ce, ce truc où bah, tu n'étais pas forcément passionné par ça, mais tu as créé cette ça. passion. Exactement, oui. Mm -hmm. Donc, euh, je, ça. enfin, ouais, enfin voilà. Mm -hmm. donc ouais. ça je trouvais euh, super enfin euh, beau aussi à ouais. voir tu vois de l'extérieur de voir mm -hmm. quelqu'un en fait qui part de rien et tout d'un coup il dit ah mais en fait ça ça pourrait m'intéresser et en fait qui croche vraiment là dedans ouais. tu sais, de voir naître une en fait de voir naître une passion je pense ouais, c'est ça, ça le truc ouais. en fait, ouais, parce que souvent on, on rencontre des gens et puis tu vois quand on s'est rencontré tu savais déjà que c'était ma passion mais tu mm -hmm. vois pas cette naissance de la passion et puis mm -hmm. en fait avec Manu c'est ce qui s'est passé c'est ce qu'on a vu chez lui en fait voilà ouais. et ouais. du coup en fait de jour en jour on voit ton évolution et puis c'est top ouais ouais toi, par rapport à ses débuts dans le travail, ça t'a fait quoi de commencer un travail comme ça oui, euh, <laughs> bah, bah, Il y a des ça. points positifs comme il y a des points négatifs. Euh, je pense ça c'est partout. Mm -hmm. Mais euh, sincèrement, le plus dur, c'est, je pense que c'est le temps de travail par rapport à l'école. En fait. <laughs> tu dis le temps tu... dans la journée. Oui, oui. Enfin ouais. parce que fin, finalement, tu fais, fin, quand tu penses, c'est 5 heures de plus que mm -hmm. l'école. Ah, c'est même plus en fait. Ouais, ouais. Non, sincèrement, euh, le, le, fin, le temps d'une journée euh, quand tu compares à l'école, ça fait vraiment. Enfin, au début, c'était le plus dur. Mm -hmm. ouais. Mais vu que vu que enfin vu que je m'intéressais et tout, enfin que je m'intéresse mm -hmm. encore d'ailleurs, bah ça. Enfin, tu penses que le fin, fin que ça passe plus vite mm -hmm. qu'une journée d'école, mais quand tu rentres, tu es beaucoup plus fatigué. Ouais. Et ça, je sens encore, euh, même maintenant, ah ouais. dès, que dès que je finis une grosse journée. j'ai Mais c'est de la bonne fatigue, non C'est ça, c'est ça. C'est que tu es content d'avoir fait un truc, et puis tu mm -hmm. me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que es, tu te sens plus valorisé aussi dans ton travail, et du ah, coup, sûr. tu fais. Mm -hmm. Quand tu rentres, tu es. Oh, je suis content, tu sais. J'ai accompli quelque chose. t'es pas genre. Oh, j'ai suivi 4 euh, périodes de maths et ça m'a bien mm -hmm. fait chier, tu vois, mm -hmm. genre. Mm -hmm. ouais. ouais, bon. Ça, c'est quand tout va bien et. et euh, je suis un peu du style euh, que quand je fais pas bien mon boulot et que je rentre euh, à la maison, bah, je ne serai pas bien jusqu'au jusqu lendemain. Quoi. Donc en général, en, en général, tu n'es pas très bien. Toi, non, on aime bien un peu taquiner Manu Vous parce compris, que qu'il ouais, ouais. fait un boulot vraiment euh, admirable pour dire que ça fait que cinq mois qu'il est là, pour ouais. dire qu'il avait aucune compétence avant ça. Ouais, dans la vidéo touche. et la photo. Merci. Ouais. Mais euh, non, mais ça fait une... Enfin, un, voilà, c'est dingue. Hein. Imaginez mm. que c'est lui qui monte euh, absolument euh, tout ce qui est de la chaîne. Ouais. Euh, J'ai tendance à l'oublier, tu vois, parce qu'en ouais. fait, typiquement, je le lance comme ça avant, et puis j'avais oublié qu'il montait tout, en fait. Ouais. <laughs> et puis qu'il monte même des bases de, de projets ouais, pro, pro, pro qu'on fait ouais. aussi, fait. sur des, des interviews, des choses plus simples, ou voilà, et très vite, il a compris comment ça fonctionnait. Oui. Et, euh, et, et il est passionné par ça, donc ça avance, quoi. Ouais. Euh, et puis au niveau de l'équipe, t'as pu, tu, comment t'as trouvé un peu une place T'as trouvé une place, tu dirais ou... <coughs> bah en fait, bon, sincèrement, euh, vous m'avez facilité la tâche. Hein. Euh, C'est pas très compliqué euh, de bien, enfin, d'être bien avec vous. Mmh c'est gentil après après, après qu'on l'ait tapé deux trois <laughs> fois ouais, <c> <laughs> ça, ça. ça je vais pas dire parce que <laughs> non avant. mais enfin ouais. déjà François bah voilà c'était pas très compliqué ça fait un bail euh, Elsa c'est la même chose et puis bah mm -hmm. William j'ai eu enfin même avant le stage j'ai eu enfin tout ce qu'on m'a dit sur toi, c'était que du bon. Oh, purée, donc, la réputation euh... qui me précède, c'est beau ça. Donc, euh, donc bah, tu vois. Il te <laughs> sauce, là. Non, mais. Euh, il là... veut une augmentation derrière. <laughs> c'est ça, c'est ça. <laughs> non, mais, il y, y, a... y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est euh, dès que je suis arrivé pour le premier jour de stage, j'étais vous voyez. Et direct, tu, tu m'as dit que... que non. Et puis, en fait, ça met une sorte de de tranquillité directement mmh. un truc un peu à plat comme ça Ouais ça ça, là, ça y a, ouais. Y a pas ouais y a pas y a, ça ça enlève la pression mmh -hmm. un peu que tu ouais. vois c'est ça mmh. Ouais puis, ouais. bah, puis bah, après, tu m'as tu m'as pris sous ton aile comme tu fais encore. Et puis, bah, ça m'a... Oh. C'est beau. C'est ça, ça un podcast émotion. Ouais. Non, mais C'est vrai. Non, mais, mais c'est vrai. 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 Et puis, c'est mm -hmm. ce que je ressens, même si des fois, c'est plus compliqué. Mais c'est oui, oui. un peu normal. Après, on fait toujours le comparatif avec François. Parce que le, François et moi, on a fait les deux des formations, euh, des apprentissages. Euh, comme première formation en sortant de l'école, qui étaient euh, des vrais apprentissages dans des entreprises où c'était vraiment pas tous les jours facile où, euh, voilà, moi j'étais mécanicien donc euh, ouais. c'était un travail euh, assez rude et puis il euh, y avait peu de travail aussi ça c'était un truc que je trouvais dur c'est que les journées étaient hyper longues parce ouais. que j'avais pas grand chose que je pouvais faire au début ouais. à part regarder euh, les professionnels travailler ouais. Euh, ouais. là je pense que c'est aussi un truc qui a été vraiment différent pour toi, t'as pas pu vivre autre chose mais moi qui ai vécu autre chose en, mmh. en ayant un métier dans lequel tu peux pas tout de suite travailler et être productif ouais, c'est sûr c'est dur. <coughs> et je ne sais pas comment toi tu le vis par rapport à ça, le, le fait de pouvoir produire réellement. Mais en fait, je ne me rends pas vraiment compte, je pense, euh, fin de, de la façon que je, peux, fin, fin que je peux travailler par rapport à, fin, à, fin, à ce que tu as vécu toi. Fin, je ne je sais pas ce que c'est, en fait. Mm -hmm. Donc euh, pour moi, euh, je me donne à fond dans, fin, fin, dans ce que je fais, même si c'est moins important que, que des monstres projets même mm -hmm. si enfin même si pour moi c'est hyper important mm -hmm. parce que je j'aime bien faire donc donc voilà mm -hmm. mais euh, mais par exemple cet été quand, quand on avait beaucoup moins de boulot mm -hmm. bah oui c'est sûr que c'est un peu plus long mm -hmm. mais enfin je pars du principe où il faut toujours trouver quelque chose à faire même si enfin même si c'est pas que dans la vidéo mm -hmm. donc, ouais. euh, donc donc voilà quoi Ouais, parce juste pour remettre un peu dans le contexte. Donc, du coup, on sait, stratégiquement, dans l'équipe, euh, Elsa et moi, on est vraiment autour de la photo. Mm -hmm. euh, on aide sur le plan <coughs> vidéo quand on a besoin de le faire. Hein. Euh, mais c'est vrai que sinon, la partie vidéo, c'est vraiment François et Manu, en fait, qui s'en chargent. C'est la euh, team. <laughs> c'est <c> <laughs> la team vidéo, euh, qui sont euh, presque même déjà pas assez, en fait, hein, concrètement. Il ouais. n'y mm -hmm. a pas assez d'heures de travail. Ils euh, ne sont pas assez pour produire. Euh, ben on n'arrête pas en fait. Ouais, ils n'arrêtent pas. <laughs> ouais. euh, C'est pour ça que dans la team photo, on les aide aussi un petit ouais, peu oui, parfois. Oui, oui. Voilà. <laughs> ouais. Ce qui est assez cool aussi hein, finalement. Oui. la vidéo nécessite quand même beaucoup plus de, de, de moyens et de personnes. Quoi. Mais, ouais. ouais. Et puis, euh, moi je voulais savoir aussi, ben voilà, qu qu'est-ce qu que ça fait en fait aussi que tu te sentes utile dans, dans un boulot comme ça dans un ah, truc plus concret ouais. pour toi en fait ouais. hein. euh, ça c'est vraiment cool ouais. ça c'est enfin pour moi c'est hyper important j enfin j'aime pas ne pas ne pas être utile c'est mm -hmm. un truc qui me qui me frustre vraiment beaucoup mm -hmm. Mm -hmm. donc euh, donc euh, oui c'est c'est que du plus et puis plus je suis utile et puis plus j'ai envie de travailler mm -hmm. et plus j'ai envie de bien faire donc euh, ouais. Ouais. puis je vois que je suis pas du tout mis à l'écart et tout ouais. et que enfin que vous me donnez euh, tous les boulots que que vous pensez que je... Que je peux On lui donne enfin, tout. Enfin, que je puisse réussir. Voilà. Enfin, enfin, je ne sais tout. pas comment dire ça. Ouais, ouais. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment cool. Mm -hmm. Enfin, c'est que du plus, quoi. Mm -hmm. Ça, le... c'est un truc qui est fou, hein, mais en fait, il euh, y a des dizaines d'études qui ont été faites à ce sujet sur le fait d'encourager les gens plutôt que les descendre, de voir leur... Euh... Leur efficacité derrière, euh, la manière dont ils étaient après heureux dans leur travail, etc. C'est quelque chose qu'on peut voir, je trouve assez fou, qu'on voit chez Manu, en fait. Oui. Parce que du moment où on lui a fait confiance, l... et même quand oui. il y avait des choses difficiles qu'on lui demandait, techniquement, euh, ou dans des délais courts, etc., en fait, quand on le challengeait positivement et puis qu'on l'encourageait derrière, en fait, euh, d'un jour à l'autre, il y avait des progressions de dingue. Ça, c'est un ouais. truc à retenir aussi pour vous. Si vous mmh. travaillez avec des gens, si vous êtes. Euh, voilà, surtout dans le milieu professionnel. Si vous encouragez les gens qui sont autour de vous, euh, et au lieu de leur tirer dans les pattes pour être meilleurs qu'eux, euh, vous allez voir que l'équipe progresse, en fait. Euh, ouais, à fond. Dans sa globalité, en fait. Ouais, hein. à fond. Et, et on le voit euh, quand on est stressé ou quand, quand on est un peu moins euh, attentif à ça. Bah, en fait, tout le monde descend un petit peu de niveau parce qu'on n'est ouais. pas bien. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Mais bon, aussi, on a eu de la chance. Euh, on, a, on a tiré <laughs> un petit peu, on se le dit souvent avec William. Mmh. Et Elsa, on te le dit pas trop parce qu'après tu chopes le melon, mais on a quand même... <laughs> Mais je vais le dire, je vais le dire, d'accord, ouais, ouais, pour ouais, ouais. aussi te euh, en... <laughs> que... ouais, Enlève ton casque. Ouais. Non, mais on a aussi tiré un petit peu euh, la perle rare, comme on dit souvent, c'est oui, que oui. Manu quand il est arrivé. Aussi, pourquoi nous on te la présente Enfin, on, on a voulu mm -hmm. qu'il vienne faire un stage aussi. C'était pas parce qu'on savait. Euh, qui, qui faisait preuve aussi de maturité. Mm -hmm. et mm -hmm. Toi, tu as eu la chance en fait de grandir. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si c'est une chance de grandir avec moi <laughs> ou tes soeurs. <laughs> <laughs> je ne sais pas Mais si on peut parler de chance. Ouais, ce n'est pas, pas forcément une chance. Non. Mais euh, en gros, tu as tout le temps vécu avec des, des, des gens plus âgés que toi. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça se ressent. Mm -hmm. euh, c'est vrai que nous, on a eu l'occasion de voir plusieurs stagiaires et il n'y a pas tout le monde qui a cette maturité. Et puis c'est ok. Hein. Ouais, sûr, on hein. vit avec son âge. Mais toi, tu as eu ce plus où, en fait... Euh, quand même une maturité je trouve qui est un peu incroyable tu vois moi j'avais pas ta maturité à ton âge parce non, que parce que quand on va sur des travaux euh, avec Manu on, on je sais pas moi je tâte les caméras lui d'aller mettre le micro euh, <laughs> à la personne tu sais, tu dois quand même rentrer dans son espace euh, ouais. privé, tu vois, ouais. je veux dire, moins d'un mètre, tu dois lui accrocher le micro. Des fois, c'est même avec des, à des dames et tout. Donc, tu sais, il faut. Et ouais. puis Manu, pas de souci. Tu sais, moi, je t'achète la caméra. Lui, il est là. Bonjour, je vais vous, vous mettre ouais. le micro. Tu sais, moi, je <laughs> regarde du coin de l'œil. Je suis là. Putain, yes, c'est lui qui <rire> fait <rire> ça. Tu vraiment... sais, franchement, non, mais tu vois, c'est des petits trucs. Et tu es là, en fait, ok. J's... On n'est pas tombé sur, euh, sur une pince, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est aussi ça. C'est euh, ouais. que tu apprends vite parce que t'es intéressé et passionné. Mm -hmm. Et puis. Euh, Mmh. et puis euh, parce que aussi tu t es, t es, t es mature quoi tu vois donc en euh... tout cas d'un point de vue de, de, de... Oh, purée, on micro <laughs> d'un point de vue d'employeur euh... j'aime pas dire que je suis un employeur mais voilà d'un point d'un point de vue strictement entreprise entrepreneurial euh, c'est quand même une sacrée plus value le système d'apprentissage en suisse quand on ouais, tombe sur incroyable. une personne comme manu qui a envie de travailler euh, et qui peut être un peu productive quand ouais. même. Et, et c'est une chance énorme qu'on offre aussi aux jeunes qui ne trouvent pas forcément du travail. Là, enfin, vraiment, je pense que c'est très compliqué maintenant de trouver des places d'apprentissage oui, en situation Covid, ouais, ouais. encore plus que d'habitude. Mm -hmm. et, euh, et voilà, si vous écoutez ce podcast et que vous hésitez à, à faire le pas, euh, voilà, peut-être sélectionnez bien la personne, ouais. euh, faites des stages de une, deux semaines pour vous rendre compte de comment euh, les gens que, que vous pourriez prendre sont dans la réalité du travail. Considérer quand même que ben voilà, ils sortent de l'école, ils savent pas comment faire. Enfin voilà, on ouais, en savait pas. Ça, ouais. Je veux dire, moi, mes premiers stages, j'avais les mains dans les poches parce qu'on j'avais rien à faire donc j'avais les mains dans les poches. Je m'asseyais, ouais. euh, j'étais on n'avait pas le téléphone à l'époque encore. Le natal, mais euh... oui, mais c'est juste voilà. que tu sais pas, tu t'as aucune idée. Et en fait, ouais. c'est vrai que des fois, quand nous on est un peu plus stressé, mais... euh, et je suis désolé, Manu, mais euh, des fois, on est là, genre, je sais pas, euh, mm -hmm. à lui refaire des reproches alors qu'on est là, mais en fait, mm -hmm. le type il il n'a pas autant d'années de travail que ce que clair. nous ou que toi surtout tu ouais. tu vois ouais. donc on peut il faut aussi être indulgent ouais. en fait bien mm -hmm. sûr indulgent mais vraiment si c'est des personnes oui. que vous encadrez et puis de manière positive et encourageante même forcément un apprenti ça fait des bêtises ça casse des trucs mais oui ça, <laughs> comme, ça... comme on dit tout le temps ça prend... un apprenti ça cache ça ment ça, 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 ça ment ça, ça, ment, ment, ça vole, ça, vole ça, ça casse et ça se cache <laughs> et ça se cache il oh. se cache Manu des fois on trouve Manu il oh, là, est là mais mais non on dit pas ça on dit pas que tu fais ça mais <laughs> des fois on se dit avec William il est où l'apprenti ok ouais. il se cache ouais, il, se cache. Ça, il ça, a ouais. fait une bêtise il avait fait une bêtise ou il a menti non là on dit n'importe quoi c'est juste pour le fun non mais faites si vous hésitez à prendre cet engagement en fait le sincèrement vous allez en retirer beaucoup beaucoup de choses naturellement si vous avez du travail à lui donner parce que ben voilà si vous donnez rien puis aussi donner des responsabilités je ouais. pense c'est important mmh. ben euh, moi quand j'ai fait mon apprentissage on m'avait donné la première année une responsabilité euh, de gérer tout un truc et c'est vrai qu'au début ça te paraît fou mmh. mais finalement en fait après ça devient ton petit truc mmh. ton petit bébé que tu entretiens et que tu es content. Ouais. Et typiquement Manu ben, on lui a donné euh, comme première tâche Maintenant, ah il fait d'autres trucs, mais comme première tâche, de justement, être responsable de la chaîne YouTube, de tout ouais. ce que vous voyez, mmh. au niveau de faire la pub, enfin, de vraiment de A à Z, ouais. en fait. Ouais. Et du coup, euh, c'est un travail qui demande quand même du, du temps, hein, oui. donc il faut quand même s'appliquer. Euh, mais. Euh, mais tu as ce, cette petite responsabilité qui ouais. fait aussi que ça édifie aussi la personne. On lui fait confiance. On n'est pas derrière. Des fois, il nous fait lire des trucs et tout. Mais on n'est pas mmh. derrière en train de dire Ah non, il faut que tu fasses ça, ça, ça. C'est lui qui gère. Mmh. Et il nous montre. Et puis après, on est là « Ok, ouais, c'est trop bien. Ouais. Et puis voilà. Mais du coup, c'est aussi cool de, je trouve, édifier les gens que vous avez en formation. Ouais, tu vois Complètement. C'est que c'est pas un apprenti, c'est pas que quelqu'un que, qui vous suit et il doit faire comme vous. Mais mmh. c'est vraiment. Euh, Quelqu'un qui doit se former, et du coup, ouais. c'est important aussi de ouais. lui donner des responsabilités qui va lui servir toute sa vie, en fait. Ouais. Clairement. Et surtout qu'on lui donne cette responsabilité-là, responsabilité là, pardon mais après, euh, on peut lui donner des trucs plus grands, plus grands, plus grands, mm -hmm. et puis finalement, mm -hmm. après, il gère tout. Enfin, tu vois ouais. Donc, c'est. Ouais. Ouais. Enfin, voilà. Moi, j'avais. Euh... Ce qui est assez fou, en plus, dans cette histoire, c'est que là, concrètement, il est euh... en temps réel. On est en train d'enregistrer, il est 5h30. 4h30 ouais. Non, il 5 est 5h30. 5h30. Donc on est mercredi, hein, le 28 octobre. Donc d'ici euh, quelques heure. minutes ou heures, le podcast va sortir. Oui. Donc là, on challenge Manu aussi là-dessus. C'est lui qui va le monter dès qu'on finit l'enregistrement. Le, voilà. euh, on avait envie de le faire aussi aujourd'hui pour euh, plusieurs raisons en fait, mais euh, on a eu une période extrêmement chargée, comme on a pu vous le dire déjà plusieurs fois en termes de travail, etc. Et puis euh, là, on vient de regarder euh, à 16h l'annonce du Conseil fédéral en Suisse. Euh, du Parlement. Sinon, hein. Du Parlement sur, ouais. les, sur les nouvelles directives euh, Covid et puis qui influencent concrètement directement notre travail. Hein. Là, on a vu les dernières semaines euh, des travaux s'annuler les uns après les autres parce qu'en fait, les personnes qu'on devait filmer ou photographier tombaient malades ou avaient été en contact avec, avec des gens qui étaient positifs Covid. Euh, ça a une énorme influence sur notre travail. On est... Hyper heureux d'avoir beaucoup travaillé jusque-là parce qu'en fait ça va nous permettre de tenir un bout mmh, financièrement. Oui. Et puis là on arrive vers une période un petit peu différente et on s'est vu en début de semaine avec l'équipe où on était un peu stressé, un peu mal, oui, sincèrement. Et puis, euh, et puis en fait il y a, y a un truc qui m'a touché dans cette annonce du Conseil fédéral aujourd'hui ouais. euh, la phrase de Simonetta Samoroga, donc, euh, donc la présidente, mmh. euh, qui disait ce qui nous unit. Est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. C'est d'ailleurs le titre de ce podcast. Voilà, oui. exactement. Et en fait, ben voilà, on a fait l'introduction en parlant de Manu, en lui posant des questions, etc. Mais là, on retombe de nouveau, une fois de plus, sur l'équipe, en fait. Oui, on avait déjà fait un sujet par ouais, rapport à ça. On avait déjà ça. fait ça. Mmh. Mais c'est appro un, un approfondissement. Exactement. À vos notes. <laughs> non, mais voilà, je pense que ben voilà, on, c est, c est, je voulais vraiment réaborder ce, 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 cette thématique, cette thématique aujourd'hui parce qu'on arrive de nouveau dans une période qui va être euh, spéciale, très spéciale ouais, incertaine, très etc. Et là-dedans, je dirais qu'on a deux manières de réagir. Euh, nous, on, on s'est dit en début de semaine qu'on se voyait un peu comme une équipe qui était sur un bateau au milieu de la tempête, en fait, mais qu'on restait soudés et euh, qu'on restait avec un but et puis une vision à long terme de rester ensemble malgré tout et de faire en, en sorte que ça fonctionne. Euh, donc voilà, ça c'était notre engagement en fait, ouais. euh, qui va être aussi un engagement pour, pour vous, pour la chaîne oui. en fait, parce oui. qu'on oui. veut continuer à produire. Euh, voilà, on ne gagne pas d'argent avec ça, hein, ça nous ouais. prend du temps, mais ça nous rend heureux. Et, euh, et voilà, en fait, on se voyait un peu euh, comme ça, et puis, euh, et puis en même temps, bah, on, on a un peu dans l'idée. On a parlé hier soir avec François après une soirée un peu arrosée. Non, c'était une, une petite soirée. Une petite euh, soirée. Une petite soirée où on a, on a fait manger la fondue tous ouais, ensemble. Ouais. Et puis on est rentré, on a parlé ouais. jusqu'à 1h15 du mat. Ouais, ouais, c'était bien. C était, c était, en fait, c'est ça c'est que l'inspiration est lunaire, tu vois, comme dit Népal. Et c'est vraiment ça. Népal, c'est un pays, non Non, non c'est un rappeur incroyable. <laughs> à son âme, mais euh, il disait justement l'inspiration est lunaire. Et c'est vrai que moi, pendant la nuit il mmh. Je... y a tellement d'idées qui me viennent et du sûr. coup justement pendant en fait euh, ce temps on a peut-être moins de travail ouais. et on pourrait se dire mais en fait euh, où ça pourrait diviser l'équipe ouais. nous on a pris le choix en fait de se dire non en fait on a envie de rester soudés ouais. Ouais. Euh, peu importe les circonstances peu importe ce qui se passe mmh. euh, voilà nous on veut rester ensemble on veut serrer les coudes et même si des fois c'est plus stressant aussi pour toi euh, William qui mmh. porte l'entreprise parce que c'est vrai que c'est lui l'employeur et c'est lui mmh. le patron hein, mmh. en mmh. réalité bah, on veut on veut tous se soutenir là-dedans mm -hmm. et on veut faire confiance aussi heureusement qu'on a on a aussi l'aide de, de l'État et tout ça mais mm -hmm. c'est vrai que on a envie de rester ensemble mm -hmm. avec vous aussi mm -hmm. et de continuer, euh, de continuer ces vidéos ouais. continuer à ouais, à vraiment travailler ensemble et puis d'ailleurs on a envie Ouais, oh. annonce, annonce. Hein. J'annonce comme ça parce que à bah, chaque en fois. Fait, en fait, ouais, mais on annonce. Mais on... est-ce qu'on annonce vraiment quelque chose hein Mais en fait, je sais pas. En fait, il faut pas vous. Att... En fait, j'aimerais. Ouais, je sais pas. C'est -ce... ouais, chaud. Mais en gros. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, c'est normal. C'est parce que c'est une discussion qu'on a eu juste avec François. En ah, gros, ah, okay. en gros, okay. on, on a décidé avec euh, avec William mm -hmm. euh, que qu'on va en fait créer un film. Mm -hmm. Euh... <laughs> bon, bon, ça. On va faire un film parce qu'en ouais. fait, on a l'habitude. Bah, bien sûr, on a fait des projets persos. Mm -hmm. et, euh, par exemple, William, pardon, tu as fait ton livre ouais. euh, pendant la période, la première période voilà, de confinement. Hein. Tu as créé ce livre avec ouais. Thierry. D'ailleurs, il y a des vidéos euh, à ouais. ce sujet, ouais. podcasts plus vidéos à ce sujet sur la chaîne. Mm -hmm. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Mais vous avez, vous avez fait ce projet ouais. Donc avec Thierry qui était incroyable. Puis nous, en tant qu'équipe, on était aussi un peu derrière, à regarder, à vivre ouais. le projet, tout ça. Mais sans être, vous n'étiez pas directement non. dans le truc, même ouais. si vous avez participé oui, tout le long, à fait, assisté ouais. à tout, etc. Mais vous étiez quand même un petit peu en marge. Ouais. Mais c'était le début aussi de l'équipe. Oui, c'était le début de l'équipe. Ouais. Et, euh, et puis du coup, vous avez fait ce projet qui était incroyable. Pour ceux qui, ouais. qui l'ont vu, il y a encore mmh. des livres, je crois, disponibles à l'avant. Qui a eu un beau succès à oui. part ça. Pas en parlant de vente, hein, mais de retombées médiatiques. Oui. On a eu euh, deux, Vous trois. Euh, ouais, C'est ouais, hein, la, assez la cool. Télé... Enfin, enfin, ouais. C'était cool. pas notre but, ouais. sincèrement. Mais ça, ça a fait parler. Ouais. Et puis c'était un joli projet, je trouvais. Ouais. Et du coup, nous, on avait aussi euh, ce cœur à, à mm -hmm. se dire Ok, on a envie de faire un projet comme ça. Mm -hmm. On a mm -hmm. envie, de, de, en tant qu'équipe, maintenant qu'on a peut-être un peu plus de temps, parce qu'il y a beaucoup de travaux mm -hmm. euh, qui tombent, au lieu de se dire Bah voilà, bah, je vais rester chez moi, rien faire. Ouais. Nous, on a décidé de, de commencer. Euh, à préparer un film. Ouais. Donc euh, ça veut dire que les prochaines voilà. semaines, mois qui vont venir, dépendant, dépendamment de ce qu'on aura comme charge de travail, voilà, bien sûr, exactement, ouais. mais il y aura une phase d'écriture. Oui, euh, euh, bah, et la phase de hasard, on n'a ouais. pas trop envie de trop vous en dire, parce que même nous, à l'instant T, on ne sait pas exactement où ouais. on va. On a déjà beaucoup d'idées pour oui. dire que hier soir. Oui, c'est ça, ça. Mais, mais, mais voilà. voilà, quelque chose va venir. On ne ouais. sait pas quand. Ça ne va pas être dans une année, ça va être beaucoup plus court que ça. Oui, ça va être plus rapide, mais ça sera euh, un, un événement quand même. Enfin, euh, ouais. On veut mettre d'importance là-dedans, parce qu'on ouais. a souvent l'habitude euh, de faire, bah, bien sûr, nos projets perso, comme j'ai dit, ouais. des projets plus, plus courts aussi, des, ouais. des vidéos bah, comme par exemple les podcasts, les vidéos YouTube et tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu, euh, au fond de nous, euh, ce truc du court métrage qui, qui, ouais. qui brûle en nous qui quand brûle, même. En fait. ouais, ouais. Et du coup, on a envie de le faire. Et d'ailleurs, ouais. pendant qu'on est une équipe et que Manu aussi est beaucoup plus chevronné dans ce qu'il fait, tu vois, non, mais tu vois, c'est ça. va pouvoir faire un que... montage d'un film d'une heure. Hein. Bien sûr. <rire> voilà, <rire> bien sûr. Non, mais tu vois, genre, ouais. t'es plus chevronné. À... Mm -hmm. enfin, voilà, donc c'est vrai qu'on a aussi cette force d'équipe et on a envie de ouais. faire un truc euh, à cette échelle-là. Et puis, on discutait aussi avec François entre hier et aujourd'hui, mais il y avait aussi ce côté-là où ben, on produit beaucoup de, de contenu pour des entreprises voilà. et pour, pour, mm -hmm. pour, ben, pour vivre hein, financièrement. Euh, mais c'est pas forcément c'est des projets qui vont nous plaire ouais. parce qu'on aime rendre service on aime ce côté là où on fait plaisir aux clients et voilà mais on, on s'accomplit peut-être moins dans des projets comme ça et je crois que moi ben voilà par rapport à la photographie et le fait de réaliser un livre avec Thierry euh, j'ai pu voir aussi ce côté là de se dire waouh c'est un gros projet quand même mais c'est hyper porteur ça fait grandir à fond c'est euh, trop beau puis on réalise vraiment notre art là-dedans mmh. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque pour l'instant en film, parce qu'on a fait des toutes petites productions pour nous. On a cette chaîne YouTube qui est fun, sincèrement, mm -hmm. et qui mm -hmm. voilà où on, on parle avec notre cœur. Euh, mais mais c'est souvent en fait, ça reflète pas trop vraiment nos, notre. Enfin, ouais. oui, notre, je vais dire des conneries, mais notre chaîne YouTube, elle reflète vraiment notre vision et tout ça. Mais oui. c'est vrai qu'il y a des images ou des vlogs ou comme ça où on filme un peu assez rapidement, on ouais. prend pas le temps vraiment de se poser, de réfléchir sur certaines images. Et mais... on est dans un quotidien plutôt fun parce que oui, dans l'équipe on ça. rit énormément. Ouais, ouais. <laughs> voilà. Mais mais notre, euh, je dirais que notre désir artistique, oui, on aime les films drôles, oui. mais on a quand même une vision artistique de toucher en fait, de, ouais. une remise ouais. en question, de mm -hmm. pas un truc dramatique, mais un truc euh, ouais, on se remet ouais. en question. Bah d'ailleurs, bah ça, en fait c'est justement avec Magnon on discutait de ça. D'ailleurs, toi Manu, tu me dis si je me trompe, mais normalement tu m'avais dit euh, ouais, j'ai trop, euh, trop envie de faire des clips, j'ai trop envie de faire des, oui, des, des courts métrages et tout. Juste... Et d'ailleurs, du coup, en fait, c'est un, un cri du cœur de tout le monde, en fait, de partir, euh, de partir là-dedans. Ouais. Ouais. Alors, on n'a pas encore parlé à Elsa. Voilà, si... Elsa, tu la prends peut-être maintenant. Ouais, c'est ça. ça. <laughs> <trop cool. rire> Donc, Donc, Elsa, là, tu dois euh... nous écrire une histoire. Voilà. Nous faire des décors, nous faire des habits. Tout, 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 tout. tout. Filmer, monter. Monter. tout. un film à la Pour demain à 8h. À la Renaissance avec des perruques blanches. <rire> <rire> Une satire critique sur la, la Renaissance. Elle -là. Oh non, oh <laughs> Non, non. Mais en tout cas, voilà, restez à l'affût. Restez à l'affût. Yes. Je pense qu'on va, on va essayer de partager certaines étapes avec les gens autour de oui. nous, avec vous. Cool. Euh, je pense pas qu'on va dévoiler les, la thématique non, du film. Non, non, non. Mais restez. Voilà. On, va, on va pas en parler, je pense plus. Mais restez. À ouais. ouais. Voilà. Si vous êtes un, un vous êtes en, en, dans le désir d'être un mécène et de nous offrir 200 000 balles pour créer notre. notre voilà. venez bon bon, nous vous voir. On, nous un voir, café, là, un on bref, vous offre un café. Oui, oui. On offre le café. Oui, tout à fait. C'est ouais. Manu qui le fait. Il ouais. oublie pas de mettre la minute. Oui. <laughs> voilà. Tout de suite. Enfin, voilà. Euh, pour revenir un peu à Manu. Ouais. Parce que là on vous a annoncé un peu les choses de l'équipe. Voilà, on a envie de rester ensemble. Mais maintenant, pour revenir à Manu, parce que c'est quand même notre, notre invité aujourd'hui. Oui, oui, exactement. Moi, j'avais noté une petite phrase aussi ah à la ouais. fin dans mon petit calpin. J'avais <laughs> noté euh, parce qu'on parlait de l'équipe et de l'équipe oui. au milieu de la tempête. Et en fait, c'est aussi là-dedans que c'est très important de prendre soin les uns des autres Tout à fait. Mmh. et des plus faibles. Je pense pas que Manu soit forcément le plus faible. Je suis non. faible non, mais pas, en fait, il <laughs> faut comprendre moi. le mot faible pas en mode euh, pas bon. en mode faible genre une faiblesse. Ouais. Mais en, non, mais en fait c'est pas un bon mot, je pense. C'est pas un bon mot. Mais les le plus petit, en le, fait le, le voilà. ouais, prendre soin des petits. Bah, je l'ai noté comme ça, en fait, Manu est le entre guillemets, petit à protéger. Voilà. Oh oh on non, mais on s'est rendu compte aussi cette semaine, parce que bah, voilà, Manu, il avait des cernes jusqu'au euh, jusqu nombril, le gars, <laughs> et <puis, rire> qu'il était fatigué. <laughs> aussi du stress de l'équipe, hein, parce que nous, on est dans notre, dans notre folie, dans notre stress. Et puis, euh, et puis voilà, bah, c'est aussi des fois des choses que Manu euh, doit subir autour, mm -hmm. et puis ce n'est pas facile quand on n'a pas un bagage... Euh, émotionnel oui. qui permettent de digérer ce genre de choses. En tant ouais. qu'adulte, on est un peu plus, en général, on arrive un peu mieux à digérer. Donc, euh... ouais. j'avais un coup de fatigue là, <laughs> pas mal de temps, mais ouais. euh, mais c'est bon. Enfin, ouais. bah, tu m'as tu m'as dit de bien me reposer. Et tu m'as mis quelques jours de congé. Puis bah, hein. Moi, quand, quelques jours, une matinée. Ouais, bon, une mais matinée, mais... j'ai dit tu dors. Je te donne la matinée, la mais vieille. tu dors. Mais j'en genre, <laughs> genre Je pense que j'ai dormi 11 heures cette nuit. Oui, mais c'est bien. Je, il je, faut... je me suis réveillé l'après-midi, j'étais comme un dingue. Ah oui, c'est quand il vient, <laughs> con. Et il était tout, insupportable, ouais. mec. Ah bah voilà. Moi, mardi, j'étais raide, mardi dernier. Donc, j'étais raide. Manu, il était raide, mais encore plus. Je lui dis de dormir. Il vient le lendemain, le mec. C'était une pile électrique, mais c'était fabuleux en même temps. Ouais. Moi, c'est beau, c'est vraiment la vie des enfants, quoi. Ouais. Mais c'est beau. C'est beau. Oh là là. Moi, j'ai une question pour toi, Manu. C'est quoi qui te fait vibrer euh, dans la vidéo euh... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que t'aimes mmh. ça Ok. Euh, sincèrement, dans la vidéo, ce qui me fait, enfin, enfin en fait, j'aime trop la belle image. En fait, c'est, vraiment ce que je préfère. Et je pense que maintenant, plus, je... enfin, plus je regarde de films. Oui, mais c'est quoi la belle image c'est chaud hein. Mais c'est pas une question facile hein. Pour moi la belle image enfin enfin ce enfin ce qui représente pour moi c'est c'est ce qui est dans le cinéma. Donc donc tout ce qui est vrai enfin enfin c'est pas vraiment vrai mais mais des émotions. C'est ça. C'est ça en fait qui me plaît le plus et puis plus et puis depuis que je travaille ici, je vois tous les films ou les séries différemment, complètement différent. Et et puis plus enfin plus j'en fais, plus je regarde et puis plus ça me parle et plus j'ai envie d'en faire en fait. Ouais. C'est vraiment... Euh... Mais c'est quoi qui te ferait kiffer De quoi De quoi Là, Maintenant, maintenant, truc, hein. maintenant on dit, bah, tiens, t'as tant d'argent que tu veux, t'as toute l'équipe que tu veux, qu'est-ce que t'as envie de faire comme projet euh, Soit un bon clip de rap. Ah, comme... ça t'a fait <laughs> <Un> plaisir, <laughs> j'attendais celle-là, j'attendais. Un, un bon gros clip, enfin, euh, même pas que de rap, mais en tout cas de musique. Ouais et parce bah que enfin ce qu'on va faire c'est vraiment incroyable je pense que c'est mmh. une chance aussi mmh. parce que je pense mmh. que pas tous les vidéastes euh, de de notre type mmh. peuvent se permettre de faire des films mmh. ou des choses comme ça mmh. Mmh. et euh, ouais c'est enfin c'est juste incroyable ouais. et euh, je voudrais bien faire des petits projets perso pas forcément hyper long mais juste pour travailler un peu ma technique encore ouais. puis euh, ma créativité parce ouais. que c'est enfin c'est des choses que tu peux travailler jusqu'à l'infini en fait ouais, ouais c'est euh... ce ouais. comme euh... un muscle que tu t'entraînes c'est ça, ouais. ça. Et puis bah le enfin moi mon but c'est de d'être au top tout le temps et, euh... et puis ouais, voilà, bon. quoi le gars on l'a bon, formaté. Ouais, formaté le voilà. mec il est foutu il est, <laughs> il est formaté il a plus de cerveau il a notre cerveau à la place du sien mais euh... <laughs> mais euh... ouais, ce qui me plaît le plus c'est le v... enfin, enfin c'est le vrai c'est que... quand c'est vrai quand il y a des vraies émotions dans le... Ouais. Ouais. dans le sujet et tout quand en plus, tu me dis souvent, t'aimes pas trop quand c'est trop smooth, tout, tout lissé. T'aimes mm -hmm. bien aussi un peu le, le fait que ça soit un peu ca... enfin, brut, mm -hmm. de oui. des les tu sais, vraiment Exactement. le truc. Euh, ouais. C'est le côté hip-hop hein. de Manu. Ouais, hip-hop. <laughs> hip-hop. <laughs> et puis Manu, tu te vois où dans 10 ans Ah, mais putain, tu m'as fait. Oh, <laughs> eh, 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 un... eh, <laughs> tu m'as volé ça, mon gars. J'étais là et puis oui. Je du coup, dépouillé. tu t'es dépouillé. Purée, dans 10 ans Dans 10 ans, t'as quel âge 27 ans. J'ai 27 ans, j'espérais te marier et tout, hein, les gars. Ah, <laughs> bah voilà! Non, non, non. Enfin, euh, tu dis dans le monde du travail ou plus? Euh... Ouais, en tout, dans ce que en tu tout veux. Commence ah. par le travail, peut-être. Mmh. C'est la question qu'on pose à tous les invités, dans le et travail, du coup, dans, ouais. dans 10 ans. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Enfin, où tu te vois? Ça, c'est un peu un slash, genre dans 10 ans, c'est quoi tes rêves? Enfin, tu vois. Bon, euh, en vrai de vrai, ce serait encore de travailler avec vous. Mais... Ça, elle le dit parce qu'on est là. Non, <laughs> non, 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 non euh, J'y pense quand même souvent et je me ouais. demande ce que, ce que ça va être plus tard. Ouais. C'est un truc que je me pose souvent comme question. Mais euh, mais j'ai pas vraiment de, de but. Enfin, j'ai pas un truc précis, mais c'est juste mm -hmm. euh, d'être plus en plus fort et, mm -hmm. et, et que dans 10 ans, j'aille mille fois mon niveau de maintenant. Et, euh, je pense c'est possible mille fois. Oh, oui. C'est possible. 100 000 fois même. C Amis, ouais. fois. ça mmh. c'est possible. Ça, ça s'appelle mais... chercher l'excellence. Mmh. Mais j'ai pas envie non plus de de devenir euh, quelqu'un de comment dire de qui. Enfin, en fait, je... Enfin, je... je voudrais encore être dans la vidéo et tout ce qui est dans mmh. ce style-là, mmh. mais pas. Euh... Mais de filmer, c'est un truc. Qui... Je pense que plus tard, enfin, je serais obligé de le faire encore. Mmh. Ouais, Ou tu veux... soit même faire du montage. Parce que c'est. Ah, ouais, ça. Hein. Je kiffe le montage, oui. Ça, c'est assez pratique. Que, <laughs> alors, oui. Ouais, je suis, <laughs> je suis assez content. Parce que... Le montage, <laughs> parce que, en fait, j'aime bien parce que tu pars de rien du tout. Ouais. Enfin, d'une base de ouais. A, et tu vas jusqu'à Z, et c'est un, un projet fini. Ouais. Et puis, même si c'est. Enfin, c'est un peu. Peut-être un peu banal de dire ça, mais c'est un peu le travail de l'ombre. Hum ouais mais sans ça tu pourrais pas faire une belle vidéo en fait mmh, ouais, c'est vrai et puis on, on en discutait euh, l'autre jour parce qu'on va tout le temps travailler ensemble mais on disait c'est vrai que le montage en fait c'est c'est pas comme quand tu filmes c'est quand, mmh. quand tu fais un montage en fait c'est tu construis un meuble en fait c'est comme un ébéniste qui va construire une étagère mmh, il part mmh. d'une planche après je suis pas ébéniste désolé pour ceux qui nous écoutent, je dis de la grosse merde mais genre tu pars d'un tronc d'arbre en gros mm -hmm. à la base que tu coupes en planche que machin t'assemble et tout à la fin mm -hmm. t'as un meuble qui est chez mm -hmm. toi mm -hmm. qui vaut 200 000 balles mais non mais tu vois <laughs> ce que je... <laughs> tu vois ouais, vrai. en bah, fait c'est ouais. un artisan mm -hmm. et pour moi en fait les monteurs c'est moi je suis pas un... bah voilà je fais du montage mm -hmm. mais moi je, je suis enfin les, les vrais monteurs je les respecte tellement mm -hmm. parce que je suis là mais les gars vous faites euh... enfin sans vous déjà ça n'existe il a rien qui existe mm -hmm. mais euh, surtout que c'est des artisans les gars en fait mm -hmm. oui qui sont ok de rester assis sur une chaise pendant euh, des heures et des heures <laughs> et des heures mmh, oui mais en fait je pense que que je pourrais pas faire que du montage et je pourrais pas faire que de la vidéo mais il faut faire un peu tout C'est ça. Ouais, ouais. tu dois faire un peu tout à mon avis parce que mais aussi pour comprendre comment oui. ça se passe après, après tu sûr. peux te spécialiser plus tard et Bien tout sûr. mais dans les plus grandes productions ouais. mais à notre échelle en fait c'est important de, de, de toucher à tout et comme on le disait aussi c'est important de faire de la photo aussi ouais. euh, juste de faire de la photo, faire de la vidéo mmh. euh... C'est vraiment important pour avoir cet œil-là et puis pour comprendre en fait, ce qui nous entoure. Mmh, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Salut Brown. Salut, il y a Brown qui vient. Va, voilà. Il vient, euh, je crois, vient parce qu'il en a marre, je crois, de nous entendre. Vous <laughs> entendez peut-être dans le micro des petits clics. C'est clics, clics. <laughs> ch le chien de... Ah bah voilà, vous allez le voir. Oh là là. Oh, petit chien. Dobby. <rire> Brown <rire> va nous dire un truc dans le micro. <laughs> voilà, c'est ça la force <laughs> de l'équipe, c'est que même Brown est avec nous. Voilà. C'est n'importe quoi. Coucou. <laughs> voilà. Je pense que c'était un bon moment. Un... Bran, il nous a donné un signal. Oui, là, je pense. il nous a dit, ouais, c'est bon, les gars, arrêtez. Ouais. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était vraiment un Merci. plaisir de, de vous revoir beaucoup, en les vidéo, hein, les jeunes. Et puis, euh, on se retrouve prochainement pour euh, nos aventures. Donc euh, restez euh, connectés sur Instagram, sur, sur Spotify, euh, sur, Spotify, <rire> <rire> sur euh, YouTube pour vraiment euh, suivre nos péripéties, nos aventures. Ouais. Ouais, voilà, et puis n'hésitez pas à passer aussi, nous voir ouais, euh, rue du Pont 29 à Montreux. Voilà, n'hésitez pas à passer, écrivez-nous avant quand même qu'on sache, mais ouais. eh bien, on, eh bien, on se boit un café, on discute, ouais. on se fait Tranquille, plaisir. Ouais. Donc voilà. On a tout dit. On a okay. tout dit. Merci Manu. Merci Manu. Sûr, on est très fier de toi. Oui. Enfin, je peux dire on parce que oui, clairement, ouais, ouais. 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 on est très fier de toi de tout ce que Ça tu fais jusqu'à maintenant et on se réjouit de voir la suite et vous réjouissez de voir la suite, je pense. Ah, bien, ouais. Parce que Manu il va arriver, il <laughs> va tout déglinguer. <laughs> <laughs> Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bon ciao. Bisous, les gars. ciao. Ciao Ciao.